Vous venez d'acquérir votre... Gastronomateur 2000, 3 étoiles. Félicitations. Votre... Gastronomateur 2000, 3 étoiles. Vous permettra... d'épater vos convives, famille et épouses par vos dons culinaires. Le kit de montage de votre... Gastronomateur 2000, 3 étoiles. Est composé... d'accessoires de présentation pour dresser vos assiettes en hauteur. D'un pinceau pour peinture sur assiette. D'un dictionnaire complet, ancien si possible. Il est livré avec... son lot d'exemples de menus de grandes maisons gracieusement pillés chez Rochard, Rabae, Wenger, Chrissy ou autres maîtres du genre chez lesquels vous n'aurez jamais les moyens de foutre les pieds. Pour montez votre... Gastronomateur 2000, 3 étoiles. Rien de plus facile. Prenez le plat du jour que vous avez préparé, par exemple un jambon puré. Peignez un peu le fond de l'assiette avec un reste de sauce de la veille, pour faire joli. À l'aide des accessoires de présentation, installez tous les ingrédients en hauteur. Plus c'est haut, plus c'est beau, plus votre purée est sèche et collante, plus c'est facile. Placez une moitié de la tranche de jambon au sommet de la construction. Finalement... à l'aide du dictionnaire, cherchez des synonymes compliqués pour votre plat. Par exemple, pour jambon puré... la fine tranchée de l'organe arrière de claudication du roi de la porcherie et son écrasé de délices de parmentier émulsionné à la source de vie du ruminant. Veuillez noter... que l'autre moitié de la tranche de jambon sera jetée, afin que vous puissiez dire qu'en tant cuisine gastro, il y a beaucoup de pertes sur le produit, c'est pour ça que c'est cher. Évitez de... servir votre plat trop vite, plus on attend, plus c'est bon, et surtout plus on boit. Attention... ce produit ne doit pas être utilisé pour vos recettes ratées, trop cuites, sèches, avec grumeaux ou tournées. Dans ce cas, vous devrez utiliser notre moléculateur 2000 de Nice Martin, pour pouvoir dire, ah mais non, c'est pas raté, c'est moléculaire. Veuillez respecter les précautions d'usage et bien lire la notice d'emballage.